Bonjour, bienvenue à notre dernier segment de la journée. Mon nom est Michel Poirier. Je suis le directeur du développement des affaires chez Solotech. Et encore une fois, merci d'avoir passé la journée avec nous à Solotech Connect 2020. Notre dernier présentateur est un collègue, un ami et une personne qui est dans l'industrie depuis plusieurs années. Marc Poirier travaille pour Barco et est le représentant et le gérant des channels pour l'Est du Canada. Une personne avec beaucoup d'expérience dans le domaine de l'audiovisuel en général. Et il va nous parler des solutions virtuelles ou en fait pour virtualiser les conférences et les classes que Barco offre maintenant. Marc, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Je suis bien heureux d'avoir la chance de présenter à votre groupe aujourd'hui. Superbe. Donc, la formule est la dernière de la journée, mais essentiellement, c'est un peu comme toutes les autres émissions qu'on a fait aujourd'hui. Vous posez vos questions au bas de l'écran. Ça va me faire plaisir de les regarder, les lire et de les donner à notre ami Marc. Et aussi, Marc va nous faire une présentation qui va durer environ 27 minutes, on espère, avec une période des questions. Et ensuite, je vous invite à revenir nous voir demain. Où on refait la même séquence de 9 émissions avec nos confrères et collègues anglophones. Donc, si vous avez manqué les informations aujourd'hui, vous pouvez revoir tout ce qui a été filmé aujourd'hui, ce qui a été tourné et est disponible en tout temps. Et demain, ça se refait live en anglais. M. Poirier, c'est à votre tour de nous expliquer vos solutions. Merci beaucoup, Michel. J'apprécie ton introduction. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler des nouvelles conférences hybrides. C'est un terme qui n'existait pas avant la COVID et puis maintenant, étant donné que les choses vont changer, on veut parler de cette solution-là. Donc, quand je dis le monde a changé, je n'ai pas besoin de le répéter. Tout a arrêté, le voyagement a arrêté, les déplacements ont arrêté. Et dans notre monde, c'est des choses qui sont importantes. Tout ce qui était réunion, formation, il y avait beaucoup de déplacements pour ce genre d'événements-là. La COVID fait en sorte qu'il y a eu un frein à ça. Et on pense, les données le disent, qu'il n'y aura pas nécessairement un retour à la normale d'avant. Les choses vont changer substantiellement. La Terre n'a pas arrêté de tourner. Dans les derniers 6 mois à 9 mois, il y a toujours eu des réunions, il y a toujours eu de la formation. Par contre, la méthode de transmettre ces réunions-là ou de transmettre cette formation-là, elle a changé. Dans le dernier trimestre, qui était un petit peu au pic de la COVID, 100% des présentations ont été faites à distance. Ça ne s'est jamais vu. Avant, on était en meeting en présence, parfois la vidéoconférence, mais 100% en virtuel, ça n'existait pas. Ce qui a amené les plateformes de vidéoconférence à se transformer, s'adapter et surtout à croître. Zoom, Teams, on connaissait ça avant, mais là, c'est 100% de notre quotidien. Je nomme ces deux-là parce que c'est les plus familières, mais Skype, GoToMeeting, on les englobe tous. L'ordinateur portable, l'ordinateur normal, le iPad, le téléphone et maintenant notre portail vers nos collègues. Le face-à-face a grandement diminué, donc on est obligé de faire avec. Parler à un écran, parler à une caméra, ce n'est pas nécessairement naturel. Par contre, ça devient notre nouvelle réalité. On dit si 1 milliard de personnes utilisent le PC, 20% de ceux utilisent Mac, ça reste que c'est quand même un très grand nombre. On pense, selon plusieurs études qui ont été faites par des firmes mondiales, que lorsqu'il y aura un retour au bureau, ça ne sera pas nécessairement un retour à 100%. Beaucoup d'entreprises vont permettre de le travail à la maison, que ce soit à 100% ou de façon temporaire. C'est là qu'on dit que les choses vont changer pour toujours. On ne reviendra pas à 100% à l'arrière. Il y a des données qui ont été faites par des grandes firmes de recherche qui disent que la majorité du travail à distance a resté productif.
prouvé, c'est fait. C'est pas parce qu'on est à la maison avec les distractions qu'on travaille moins. Donc, les données le prouvent, mais aussi les commentaires des collègues le prouvent. Quand on pose la question à la personne, crois-tu que ton travail la COVID a nui à ton travail, 55 % des gens disent non. Donc, ça confirme encore que le télétravail va être là pour rester. C'est bien beau, ça. Hein? On peut rester efficace à la maison. On peut augmenter la productivité à la maison. Est-ce que c'est possible à long terme? C'est là qu'on commence à croire que non. L'interaction humaine, les conversations autour de la machine à café, c'est extrêmement important. Et ça aussi, les recherches le disent. Les gens veulent retourner à la maison. La synergie est importante. Actuellement, toutes nos conversations sont pratiquement toutes nos conversations sont planifiées. Hein, on se book un rendez-vous, on se parle. Ça élimine ces conversations spontanées-là quand on se croise dans le corridor, qui sont aussi efficaces, mais qui sont bonnes pour le côté humain. Hein. On aime parler à des gens. Moi, je vois mon chien, puis je vois mes murs toute la journée. C'est pas assez. Autre chose aussi, les jeunes personnes, ceux qui commencent dans le marché du travail, ont besoin de mentorat, ont besoin d'être proches de leurs collaborateurs pour apprendre. Moi, j'apprends pas parce que je vois pas mes collègues, je vois pas ce qu'ils font dans le quotidien. Quand on est dans un espace de bureau, des cubicules, on est capable de voir, on est capable d'entendre, on est capable de poser des petites questions. Ça aide beaucoup au développement des jeunes personnes. Le travail d'équipe, hein, ça aide 2, 3, 4, que ce soit pour un 5 minutes, un 10 minutes, reste aussi très productif. Là, ici, on mentionne JP Morgan, Goldman Sachs, mais beaucoup d'entreprises se préparent au retour au bureau, souhaitent le retour au bureau parce que les ressources humaines savent que ça va devenir important. Avec l'annonce de Legault aujourd'hui, de minimiser les déplacements jusqu'après Noël, c'est temporaire. Il va avoir un retour à l'heure normale. Donc, le retour au bureau doit être fait. Les gens des ressources humaines pensent que 100 % à la maison, ce n'est pas viable. Donc, on doit se préparer à ça. Il y a eu des études sur la productivité. Hein? 9 mois à la maison, 9 mois au bureau. En fait, il y a des bons côtés aux deux. On réalise, par contre, que ça prend quand même un mix des deux. Quand on est à la maison, on est productif. D'une certaine façon, et là, ça va dépendre des milieux de travail. Hein. Il y a des gens qui sont productifs parce qu'ils ne sont pas dérangés. La satisfaction du travail, parce que les commentaires qu'on a eus des gens, un des commentaires est que j'aime travailler à la maison parce que je le fais à mon horaire. On n'a pas la pression de rentrer à 8 heures du matin puis de partir à 7 heures le soir. On pense que les gens travaillent quand même dans une plage horaire plus large, mais on n'a pas la pression de performance. On performe de toute façon. Moins de roulement, on le voit à l'écran. Ça, c'est forcément parce qu'il y a probablement moins d'embauches aussi. Donc, les gens restent dans l'entreprise, ce qui est bien. On essaie de garder nos ressources. Par contre, travailler à la maison, travailler au bureau, pardonnez-moi, on parle de taux de promotion plus élevé, c'est que les supérieurs voient les gens travailler. Donc, on est capable de juger d'une façon plus... tacite, hein, le travail, la qualité du travail, quand on est à côté de ces gens-là. On voit l'attitude, la performance. Donc, il y a une meilleure visibilité des supérieurs, ce qui peut amener des promotions. Les rencontres entre personnes sont essentielles. Je n'ai pas besoin de le répéter, c'est vraiment important. Ça, c'est une citation. L'effondrement du temps face à face pourrait entraîner l'effondrement de l'innovation. Du brainstorming, une idée en emporte une autre. Quand on est en groupe, on est capable de parler ensemble, on est capable de s'enterrer, hein, parler un par-dessus l'autre, alors qu'en vidéoconférence, les micros coupent. Donc, ça enlève cette spontanéité-là du face-à-face. Nos recherches à nous, parce qu'on travaille dans on a des produits qui aident à la téléconférence, on fait nos propres recherches pour savoir si on vise à la bonne place. Tout le monde veut retravailler au bureau,
que ce soit à 100 % ou partiellement. Quand je dis tout le monde, 85 % je considère que c'est pratiquement tout le monde. Par contre, dans ce groupe-là, 30 % et plus veulent de la flexibilité. On y a goûté. Hein, il y a des employés, il y a des employeurs qui refusaient de travailler à la maison. Ils ont été forcés. Ils ont réalisé que ça ne nuisait pas à la performance, mais surtout, les employés y ont goûté. Donc, on aime ça travailler de la maison. On fait quoi avec ça? Hein? Comment une entreprise va compléter ou permettre le télétravail avec le présentiel? C'est pour ça qu'on parle de réunions hybrides. Les réunions ne disparaîtront pas. On a du monde local, puis on a du monde remote. Donc, l'avenir du travail sera plus hybride. Je ne veux pas lire la diapositive, mais le résumé est que le retour au travail ne se fera pas comme avant. Il va toujours avoir maintenant du télétravail et il va toujours avoir des réunions hybrides. On avait commencé à faire des réunions entre bureaux. Maintenant, on va faire des réunions entre bureaux et entre la maison. Ceci amène un challenge. Hein? Comment je peux faire des conférences? Vous avez tous parlé devant une caméra. Par contre, quand on le fait dans une salle de conférence, c'est un petit peu différent de le faire à la maison. Hein? À la maison, on maîtrise son laptop, on maîtrise sa conférence, on maîtrise son outil, hein? Teams, WebEx, Zoom, on maîtrise bien ça. Mais quand j'entre dans une salle de conférence, je fais quoi? Les entreprises se posent la question. Hein? Est-ce qu'on va vers une salle dédiée, un Zoom room, un Teams room, avec une caméra, une petite boîte et un écran? Ou est-ce que je réponds à la demande de flexibilité? Dans une salle de conférence, les limitations ou les défis sont audiovisuels. Hein? Je veux une bonne caméra, je veux des bons microphones et je veux une bonne reproduction sonore. Ça entraîne du câblage, l'installation. Donc, c'est des défis que les intégrateurs et les clients vont rencontrer. La caméra sur son laptop en salle de conférence, on n'y pense pas. Ça ne se fait pas. Il y a des gens qui ont essayé, j'ai des clients personnels qui ont essayé, 5 personnes autour de la table, chacun connecté avec sa caméra. On ne peut pas être 5 autour d'une table et regarder son écran. On veut regarder les gens auxquels on travaille. Donc, ça, c'est déjà c'est un autre défi. Après ça, l'utilisation de l'outil. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Évidemment, on cherche ce qu'il y a de plus simple possible et de plus polyvalent. Pour remédier à ça, il y a plusieurs entreprises, puis il y a eu plein de conférences aujourd'hui d'autres manufacturiers, de caméras, de systèmes de microphones, de haut-parleurs qui ont des solutions pour pallier aux problèmes qu'on va rencontrer. Donc, on veut des bons microphones, on veut des bons parleurs pour bien entendre et des bonnes caméras. Tout ça pour amener l'expérience hybride à un niveau acceptable pour des rencontres qui vont rester ou qui vont durer dans les années. Par contre, ça amène un défi. Il faut que je l'installe, il faut que je le maintienne et il faut que la personne qui rentre dans la salle soit capable de l'utiliser d'une façon simple. Il y a une chose qui est importante, je vous pose la question ouvertement sans entendre la réponse. Combien de parmi vous ont utilisé plus d'une plateforme de vidéoconférence dans les 6 derniers mois? J'aurais tendance à croire que la majorité d'entre vous a utilisé Teams, Zoom, un autre. Donc, une salle de conférence dédiée à une plateforme dédiée peut un peu nuire à cette expérience-là ou à cette habitude-là. Il a été prouvé qu'une vidéoconférence, le choix de la plateforme est fait par la personne qui initie la conférence ou l'invitation. Donc aujourd'hui, je vous présente, moi j'utilise Teams parce que Solotech Connect 2020, c'est la plateforme de choix. Ça aurait pu être Zoom, ça aurait pu être autre chose. C'est la personne qui initie la conférence qui décide. Si je rentre dans une salle qui est équipée avec une plateforme spécifique, je fais quoi? Hein? La caméra et le haut-parleur dans la salle sont dédiés à la plateforme Zoom, puis moi, je veux faire un Teams.
j'ai plus accès à ces périphériques-là. Ça pose un problème pour l'utilisateur. Je rentre dans la salle, je fais quoi? Après ça, si la salle est dédiée et je n'ai pas accès à la caméra, ben je vais me replier sur la caméra de mon laptop. Et les autres personnes dans la salle, même chose. Donc, on enlève un peu cette présentiel humaine et acceptable. Donc, comment fait-on? C'est là qu'on rentre dans la solution Clicher Conference qu'on a présentée pour la première fois en décembre. C'est un heureux hasard pour nous. On n'avait pas prévu la COVID. Par contre, on avait déjà vu la migration vers les conférences hybrides et la demande vers des solutions simples. Donc, aujourd'hui, on parle d'un produit qui s'appelle le Clicker Conference, la série CX, qui, on croit, et puis l'expérience nous prouve actuellement, est une bonne alternative aux embûches que les entreprises vont rencontrer dans l'installation de leur nouvelle salle pour la nouvelle réalité qui s'en vient. Pas de fil. Donc, déjà, ça élimine tout ce qui est souci de câblage. Vous voyez à droite le petit bouton Clicker. Il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi. C'est notre marque de commerce, ce bouton-là. Après ça, la façon que notre plateforme fonctionne, lorsque vous branchez le bouton dans votre laptop, on vous donne accès aux périphériques qui sont dans la salle, peu importe la marque et le modèle. Donc, pensez que lorsque vous branchez ce bouton-là, la caméra qui est dans la salle, le haut-parleur et les microphones sont maintenant branchés dans votre laptop. Une fois que ça c'est fait, vous utilisez la plateforme de conférence de votre choix parce qu'on utilise votre laptop. Donc, il faut imaginer que un matin, ça peut être Zoom, l'après-midi, ça peut être Teams. La salle ne devient plus dédiée. La salle est agnostique au hardware et agnostique à la plateforme. L'idée, je rentre dans la salle, je branche mon bouton, je démarre ma conférence, c'est simple. Je n'ai pas de questions à me poser. Donc, pourquoi on fait ça aussi? On parle d'éliminer les frictions pour l'employé. Tantôt, je vous ai parlé de la personne qui rentre dans la salle de conférence. Elle branche son bouton, elle entre en conférence et c'est facile. Mais il y a aussi un bénéfice pour la personne qui est à la maison ou qui est dans une autre salle de conférence. Sa vision de la conférence en est aussi améliorée. L'image que vous voyez là, c'est pas vu à travers la caméra d'un laptop, c'est vu à travers la caméra de la salle de conférence. Les microphones sont de bonne qualité, donc moi, en tant que personne à la maison, mon expérience aussi s'en trouve améliorée parce que la salle de conférence a bien été équipée des produits requis. Les produits petite salle, moyenne salle, grande salle, c'est à l'intégrateur, c'est à Solotech à choisir, selon les volumes, qu'est-ce qui est requis pour vous. Je le répète, peu importe la marque et le modèle, ça va fonctionner. Ça soit une petite salle, une moyenne salle, une grande salle, les modèles de caméra, les modèles de haut-parleurs, de microphones peuvent changer. L'expérience humaine pour la personne dans la salle et la personne à la maison reste la même. On ne se pose pas de questions, ça fonctionne. Donc, ça, c'est le cœur d'une salle hybride, selon nous. Vous voyez les deux boutons. Les petites boîtes, c'est la boîte magique qu'on branche dans l'écran et dans laquelle on branche la caméra et les systèmes de microphone. Donc, vous voyez ça à droite. Tout ça est transmis à travers le bouton à votre laptop. J'appuie sur le bouton, je suis en conférence et le partage d'écran se fait d'une façon très simple aussi. On possède à peu près 60 % de part de marché pour tout ce qui est présentation sans fil avec le Clicker traditionnel. On a amené une nouvelle couche qui est le Clicker Conférence où on amène les périphériques de la salle dans l'appareil. Donc, les méthodes de présentation sont déjà relativement connues. On fait juste ajouter une fonction supplémentaire qui s'avère être très utile en mode pandémique et après la pandémie. Donc, le sans-fil, ça a toujours été un souhait. C'est un casse-tête pour tout le monde. Ceux
parmi vous qui ont déjà couru après un fil HDMI dans une salle de conférence parce que quelqu'un était parti avec, on a réglé cette solution-là. Agnostique, on ne veut pas vous imposer le choix de hardware. Donc, vous pouvez, ça peut même fonctionner avec ce que vous possédez déjà. Extrêmement simple, hein? Je branche le bouton, j'appuie sur le bouton et c'est réglé. Et le hybride, on en a parlé. L'idée est de marier la simplicité dans la salle de conférence et la qualité à la maison. On parle ici de solutions d'entreprise. Nos appareils, en fait, notre entreprise répond à une norme ISO 27001 qui est une norme dans les TI pour la gestion de la sécurité, l'encryption, les piratages, s'il y en a, les hackers. Donc, c'est possible pour nous de prouver que les conférences en utilisant notre solution sont sécurisées. Et aussi, on voit beaucoup de déploiements de plusieurs appareils. On a des clients qui achètent ça à coût de 10, 50, 400. Donc, on a aussi un engin pour faciliter la maintenance et l'utilisation de cette solution-là. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour Solotech. Solotech m'ont présenté une plateforme de services que je trouve fantastique. Nos API s'intègrent avec la plateforme de services de Solotech. Puis, ils sont capables de vous offrir un support 24/7. Diagnostiquer nos appareils. Donc, on joue très bien avec la nouvelle plateforme de service de Solotech. Connectez-vous sans fil. Je ne veux pas répéter parce qu'on en a parlé tantôt. Au bureau, c'est clair. À la maison, c'est clair. En utilisant les périphériques de votre choix. Ça, c'est un petit peu de pétage de bretelles. C'est sûr que la majorité des grosses entreprises utilisent ces produits-là. Comme je disais, on n'a pas 100% de part de marché, mais on a une très grosse part de marché. On n'a pas inventé la présentation sans fil, ça existait avant nous. Par contre, on l'a rendu extrêmement facile. Donc, on est adopté par énormément de Fortune 100 à travers le monde, puis je vous dirais même de Fortune 500. Solotech est d'ailleurs un de nos plus gros représentants ClickShare au Canada. Donc, ils ont une très bonne expertise à ce niveau-là. En parallèle, je vous disais qu'on est agnostique. On travaille quand même avec la majorité des manufacturiers de périphériques, donc de caméras, de haut-parleurs, parce qu'on veut pousser l'expérience encore plus loin. Les API de ces manufacturiers-là que vous voyez à l'écran sont intégrés à notre appareil. Donc, la qualité sonore, on s'assure que toute la connexion se fait bien. Exemple, lorsque vous mettez le micro en mute avec le bouton sans fil, notre ClickShare met l'image en mute aussi. Donc, on a une intégration complète. On travaille aussi avec les logiciels. Teams, Microsoft, Zoom. Lorsque vous partagez un document à travers Teams ou à travers Barco en appuyant sur le bouton, nous, on s'occupe d'envoyer l'information à votre plateforme de vidéoconférence et à l'écran. Et on fait la commutation des images de façon automatique. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la majorité des plus grands manufacturiers de micros, caméras, haut-parleurs. Et cette liste-là ne fait que croître. Donc, on a une liste, en fait, il y a le lien en bas. On a une liste de partenaires, une alliance pour travailler encore plus loin. Imaginez, là, je vous dévoile un peu sur ce sur quoi on travaille. Imaginez que vous avez une caméra dans la pièce. Solotech a installé un système Crestron. Mais lorsqu'on rentre dans la pièce, la caméra nous voit, on sait qu'il y a du monde, on envoie une commande à Crestron, allume les lumières. Donc, toute cette interaction-là entre Barco, les périphériques et les systèmes de contrôle va faire en sorte que ça va devenir encore plus facile de présenter ou de démarrer des conférences sans peut-être toucher à rien. Donc, j'ai un peu couvert la portion hybride. Je ne voulais pas rentrer trop technologique dans la portion Barco ClickShare. En résumé, on croit qu'on a une solution qui est bonne pour la COVID, mais qui va aussi être bonne pour après la COVID. On voit beaucoup de gens qui font des investissements de dernière minute, hein, des investissements paniques. Je dois faire quelque chose rapidement. Et puis, dans un an, en 2021, 2022, quand la COVID va être disparue,
il va rester quoi? Est-ce que l'investissement qu'on a fait va être utile? Un click share, de par le fait que c'est agnostique, on pense que ça va rester. C'est un investissement sécur pour la COVID et après la COVID. Merci, Marc. C'est super intéressant. Comme tu le sais, moi, je suis un gros utilisateur de ClickShare depuis... On va l'appeler ClickShare classique depuis des années. Tout à fait. Je dois dire qu'à chaque fois, comme tu le sais, à ma table de conférence, il y a un ClickShare qui est disponible pour mes visiteurs. Puis c'est toujours... Je suis toujours surpris comment c'est facile pour les gens d'arriver, plugger ça, poum, et on partage l'écran. Je trouve la dynamique de ClickShare conférence vraiment intéressante, d'être capable d'utiliser la périphérie de l'équipement à l'autre bout. Ça m'intéresse énormément, je dois dire que j'aimerais ça voir un test ici avec toutes nos salles de conférence. Je trouve ça super intéressant parce que, évidemment, dans un monde virtuel, on est toujours tributaire de la qualité de la connexion, de la qualité du microphone et de la caméra de l'usager à l'autre bout. Et c'est souvent, honnêtement, la raison pourquoi, on va dire, la virtualité de l'événement est moins grande. Parce que j'ai remarqué, j'ai eu la chance de faire des connexions. Pour répondre à ta question, dans mon cas, à moi, c'est Hangouts, Jitsi, Teams, Cisco WebEx, Zoom, évidemment, et j'en passe. On est toujours tributaire de l'autre partie de la qualité, mais quand la qualité est bonne, j'ai eu la chance de faire des Teams avec des gens très loin d'ici. Et les gens me disaient, chez moi, j'ai beaucoup de débit, là, 1,5 gigabits par seconde. Ouais, c'est ça, j'ai de la fibre directe. Et les gens me disaient, my God, it's like you're with me. T'sais, ça fait que ça aide beaucoup, beaucoup la qualité de la téléconférence. C'est super intéressant. Barco est une compagnie qui est évidemment une multinationale qui existe depuis près de 100 ans. 1937. 1934. Ouais, 1934, hein, la Belgian American Radio Company, qui ont commencé à faire des radios pour la résistance. Oui, c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup de ton temps. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été soulevées, donc tu étais évidemment très clair dans ce que tu nous faisais comme énoncé. C'est la dernière émission de la journée. Demain, on a la même présentation, mais avec M. De Young, Kurt, son prénom. Oui, Kurt De Young. Qui est un vice-président chez Barco America, qui va faire un peu la même présentation, j'imagine, mais en langue anglaise. Donc, Marc, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui, puis merci d'avoir participé à l'événement. Je vois que tu as vraiment vu certains des événements aujourd'hui, ça fait que c'est fantastique. Donc, on se rejoint demain. On commence à 9h30 et on finit à 17h ou à peu près. Et je vous remercie de votre temps aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé à l'événement Solotech Connect, une première virtuelle qui s'est avérée, je crois, un bon succès. Donc, à demain matin. Et Marc, à la prochaine. J'espère qu'on va pouvoir se réunir en personne bientôt. évidemment, avec l'annonce qui a été aujourd'hui, je pense que ça va aller en 2021. Et ce ne serait un événement virtuel sans avoir des problèmes de mute. Je ne t'entends pas. Ah, je ne suis plus sur mute. Voilà. OK, est-ce qu'elles sont revenues? Oui, absolument, absolument. Je voulais dire chapeau à l'organisation Solotech. Vraiment, la plateforme était très bien gérée, puis la préparation était superbe. Donc, chapeau. Ben, merci beaucoup. Et à la prochaine. Bye-bye. Merci, bonne journée. Ben, merci encore une fois. Je vous invite à aller visiter nos manufacturiers dans leur kiosque virtuel, revoir tous les enregistrements de la journée vis-à-vis la plateforme, justement, ou via la plateforme. Et, écoute, c'est un rendez-vous pour demain en anglais pour la journée, mais c'est essentiellement les mêmes sujets avec différents conférenciers. Donc, si vous avez manqué quelque chose aujourd'hui ou vous voulez référer vos collègues et clients et amis, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre demain. Donc, mon nom est Michel Poirier. Je vous souhaite la bonne soirée et à demain. 1, 2, 3, listen.
something you haven't heard. You haven't heard. Until one day.